Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans les ça sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous postons une vidéo sur chaîne que j'ai une information sans problème. Acteur exécutif Réseau National Kap Defann Dwa Moun, Pierre Espérance, continue à dénoncer saluer les complots ancien président Michel Joseph Martelly à Marinet qui visait assassiner à travers Axila. Numéro 1 PHT 40 ans éliminé dirigeant organisation Dwa Moun à cause dénonciation Lio, surtout dans le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là. D'après Pierre Espérance, pour Monsieur Espérance, Michel Martelly impliqué dans assassinat Jovenel Moïse là, Jouk Nanzo, nous tout songer ça, yoté Maspiné Krabinet 7 juillet 2021. 9 mois après assassinat, président République, la crise sociale et politique la continue à faire chimel malgré si y en série accord qui visait joindre une solution à la crise là. Interrogé sur ce sujet ça, en pile citoyen critiqué classe politique traditionnelle là, toute communauté internationale là, selon yo qui pas innocent, malais haïtien yo. Environ une semaine après grève, syndicat employé l'hôpital général yo fin levé, aucune activité pour qu'on reprenne dans soi-disant gros l'hôpital pays. Pourtant, responsable dans syndicat a annoncé yo campé à mouvement suite à qui rencontre te gagné avec autorité dans l'État. Salut vide, médecin yo pas présent, c'est quelques employés qui présent sous la cour. Document officiel entre Université l'État et ministère touriste là, yon la d'ailleurs créé yon cher pour faire recherche dans affaires touristes et patrimoine en Dandira. L'autre là pour utilisation cafétéria campus Henri Christophe là comme espace formation pour étudiants dans l'école hôtelière d'Haïti dans le département nord pays. D'après RTUH, la cérémonie Siatissa fait suite à un protocole partenariat qui était signé entre des institutions dans le mois de septembre 2021. Au directeur exécutif Réseau National Kap Defann Dwa Moun, Pierre Espérance continue à dénoncer les complots. Ancien président Michel Martelly ap Marinet qui visait à assassiner à travers ZAXA, numéro 1 PHT 40 ans éliminé dirigeant organisation Dwa Moun à cause dénonciation Lio. C'est un dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse d'après Pierre Espérance. Pour Pierre Espérance, Michel Martelly impliqué dans l'assassinat 7 juillet 2021. Détail avec Jean-Paul Lundi. Entre Michel Joseph Martelly et Pierre Espérance, c'est une question je t'aime moi non plus. Des messieurs ça yo pas monter même cheval. Défenseur droit moun fait une grosse révélation. Il dit bien fort, ça Gabriel Fontinet avant de mourir, t'a dit tout bas. Parrain ancien sénateur Pat Lédinol, c'est lui-même qui te baille l'ordre pour éteindre souffle Jovenel Moïse. C'est pas l'autre monde. Michel Martelly. Numéro 1 RNDDH l'a accusé chanter suite Mikia comme quoi il t'a demandé pour éteindre souffle. Depuis l'année passée, en 2021, parrain, 3 mois avant l'assassinat de Fiella, et parrain, l'un des parrains Joseph Michel Martelly, il fait une réunion Miami avec quelques monde pour faire attaquer RNDDH et particulièrement pour faire assassiner. Est-ce que ça t'a une blague? En tout cas, Pierre Espérance quoi, c'est un bagage sérieux. D'ailleurs, il fait qu'on est Michel Martelly t'a déjà bail l'autre là. Mission pas l'autre. Voile fait voile pour payer son chapeau. Livine prend Fiel là et puis ça vient arrêter et comme Livine sentit confortable après le film fait assassiner Fiel là en janvier encore on est monsieur Sondel qui en général passe plus dans le pays deuxième pays États-Unis que Haïti. Il vient en Haïti dans le mois de janvier, il repartit le 3 février, il est rentré. Li di à équipe li, puis gros cadeau qui a bali pour anniversaire le mois février, c'est tout et moi. Et yo te voulait faire ça avant 7 février. Mais non là. Plusieurs rencontres t'a même organisé pour planifier ak la. Crime ça t'a dû commettre sans laisser aucune trace. Pierre Espérance dit qu'il y a bon genre information qui gen rapport ak ça qui t'a millionné en les têtes 15 coffres. Semblé, si Pierre, Jean-Pil Mounrelel, tente dans votre bœuf là. Les Michel retourne la Kaeli, il vient tourner en Haïti dans le mois de mars là. Et pendant la réunion qui fait le 16 mars, dans le studio, 15 coffres, la Kaeli, Mbaon PHTK, qui toujours travaille en pile avec l'autorité conseil de yo. Fermez bouche Pierre Espérance, c'est objectif, plan macaron ça, qui t'a planifié en bas ordre, chanter suite Mikia, Simkoueti Pierre. C'est le péché non l'anta commettre. Ces dénonciations ont rapport avec le régime Tèt Kale. Premier, deuxième, et même troisième version. Les NDDH sont une organisation qui bataille pour la société agita sous état des droits, n'a bataille contre l'impunité, n'a bataille contre la gangstérisation pays, qui n'a sa PHTK mettez nous là, n'a bataille contre l'impunité. Donc bon, fiel là, qui a servi par un servi là, où elle y fait assassiner. Donc, vous estimez que faut faire même pour vous caser NDDH. Mais nous c'est NDDH, nous c'est Ozo. Il n'a pas décidé courir à le cacher, ni déclarer forfait. Cependant, le secrétaire exécutif RNDDH l'a plein lien pour tête jusqu'à présent. Police judiciaire t'a montré le patron intéressé à l'information de rapport avec plan ça. Il t'a voué bail DCPJ depuis plusieurs mois. Pierre Espérance conscient. Moun qui voulait être soufflé, c'est eux-mêmes qui contrôlent les gangs dans le pays d'Haïti. Nous-mêmes, ça nous fait. Nous écrions lettre, voué bail DCPJ, nous bal information sur machine, plaque et moun qui était là dans la réunion. Lettre ça allait depuis le 18 mars. Pourquoi j'aime chita avec vous pour nous bailler plus d'informations. Nous-mêmes, ça nous a fait. Nous avons tout dénoncé. Et comme nous sommes tout puissants, nous avons gagné, nous avons gangsterisé le pays, nous avons banalisé la vie du monde. Et comme nous sommes confortables, je ne dis avec les pouvoirs et Ariel là, c'est eux-mêmes qui mettent les. Donc, nous voulons attaquer nous, nous continuons la bataille. Nous ne pouvons pas vivre à genoux, nous devons mourir debout. Parce que vivre à genoux, ça veut dire qu'on va mourir. Pierre Espérance qui est même bit là. Michel Martelly impliqué jour dans le coup dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Mais Zach Maspinaï, assassinat là, c'est Colombien Palacios qui exécuté. Allez lire le rapport de CPJ. Gardez pour qui ça enquête police judiciaire bloquée. Gardez moun qui planifie criminel, cerveau criminel ou après qui nous meurt. Nous avons information, nous menons enquête, nous avons dossier et nous dit par un assassinat. Colombien yo, yo t'en environ 20, yo t'es formé 4 groupes et chaque groupe yo t'es gain 5 là dedans. Groupe Palacios ça, Iterelé et Delta, c'est eux mêmes qui entrent dans Kala qui assassiné Jovenel Moïse et c'est eux mêmes qui fait première photo. Rezo National Kap Defann Dwa Moun fait connaître il y a bon gens information qui fiable qui a rapport avec dossier ça. Même si assassinat Haïti Pierre a déjà planifié, il engagé pour le continuer mission. Rêve li, c'est où la justice mette code dans coup tout le monde qui t'a impliqué dans Zach assassinat sous Jovenel Moïse et puis placé yo dans mitan 4 mirailles. Pierre Espérance répéter ça fort. D'après lui, c'est ça qui t'a dû réserver pour Michel Martelly. 9 mois après assassinat président République, la crise sociale et politique là continue à faire chimeli malgré si un série accord qui visait joindre une solution à la crise là. Interrogé sous sujet si là, un pile citoyen critique classe politique traditionnelle là à toute communauté internationale là qui se loyo pata innocent nan malais haïtien yo. Moun pa ka circuler croix des bouquets, moun pa ka passer Matissan, c'est bal k'ap chanter tout côté tribord babord et c'est ça qui résultat jodi en là. Et toute institution nous viennent à genoux plus et puis pays à patauger dans la boue. Ça, c'est position Enoch. Parmi yon bande notre citoyen dans la RIA qui dit yo bouquet face à tout ça petit bout de terre ça continue à connaître comme crise. Yon crise toute couleur qui cause personne pas ouais clair. Même après 9 mois assassinat ancien président Jovenel Moïse, côté équipe Ariel Henry a tâtonné depuis l'air. Au contraire, situation vient plus compliquée côté pays à continuité comme yon bateau sans gouvernail. Là, c'est constat, si Eli, Fanfan, nan mitan, l'autre citoyen dans la capitale là, qui pas caché mécontentement yo sous mauvais passe pays à jambé, la journée jodi. Bon, ça cloque ça, ça cloque ça, bon cloque ça là, parce que m'bal de magaï. Et on plaque manger qu'on a te connaître on a acheté pour $15, mais qu'on a 40 $50 pour chaque manger. Beaucoup de $70 pour monter. Moi je non, ça veut dire que pas gagner de fête. Et c'est le chaos. Total. Bon, 9 mois après assassinat président, ça, bon, nous vivons plus mal, qui bon nous vivons plus mal, bah, nous vivons plus mal, peuple n'a pas qu'à manger, côté petit peuple n'a pas qu'à l'école, côté sécurité à avaler le terrain, côté kidnapping à avaler le terrain, côté peuple n'a pas qu'à passer bâtisseur, ni quoi de bouquet. Ça veut dire, nous sommes dans le chaos. Si c'est pour problème, semblait c'est Koulia Haïti Thomas dans Traka. Côté, malgré la tria accord qui t'a sorti triboba boyo, crise politique là, était ten face. Qui donc, balle, tambour à une pile loup. 9 mois après assassinat ancien président Jovenel Moïse. Et qui s'est fait pour joindre yon bout face à la situation? Est-ce que y a venu toujours pour accord sur accord qui t'a marché calé? Là encore, citoyens ça yo, pas caché position. Là, nous venons constater que classe politique ça a échoué. C'est malhonnête que yoye. Yo ban nous l'autre soufflet encore. Nous te pensé yo t'a pris 10% conscience. Mais malheureusement, yo choisi fait que yo pi du. La pays en mande nouvelle classe politique. C'est seulement ça qui a sauvé nous. Parce que nous, c'est des têtes qui déjà pourri, qui a lancé manifestation de tous côtés pour mobiliser le peuple. Et le peuple n'a pas eu confiance. Et après, c'est ça comme résultat. Le peuple a soulevé, campé, le peuple a sous-manifesté. Mais ce n'est pas avec nous, ça a voulu encore. Politique, tout le pays à côté de là. Pas le premier, la Haïti à côté de là. Tout le politique, au lieu d'avenir, bon monde, qui a fait baisser, tout le monde, qui a platimé tout le pays. Il n'y a pas de modèle. Tout le monde, c'est hier, il ne va pas mettre en valeur. Il y a des jeunes, il n'y a pas de monde aussi, il y a une violence. Si ensemble citoyen ça au bail classe politique traditionnelle là yombra lonkembe communauté internationale là tout pas du tout innocent dans mal pays d'Haïti selon position qui a affiché. Ouais par ouais c'est population qui doit prendre des stèles en main déclaration compatriotes ça yo qui très critique tout face à comportement pays qui les têtes yo zami Haïti. L'intention là c'est qui construit tout ça qu'a fait là. D'ailleurs c'est choisi Ariel après l'enmont Jovenel. OK maintenant pas gain fête de concret vrai pour pays. Si tu as commencé, tu as pris le problème de sécurité, tu es capable de faire ça. Tout blanc dit, tu as pris tout le bagage ça ou là, demain matin, tout le bagage est demain matin. Ça veut dire c'est blanc. On nous dit c'est blanc, parce que tout ça qu'on fait dans le pays, pour un sénateur de la République, c'est blanc. Nouvelle Haïti n'a pas lié. Donc, comme Haïti, c'est réserve, communauté internationale n'a pas lié, spécialement États-Unis, Canada, la France, pour nous citer ça seulement. Donc, qui intérêt au gain aujourd'hui pour venir parler de Haïti pendant que pas ici. Et malgré la crise politique, là, tu es toujours là. Un bien conséquence qui a passé là depuis 9 mois avec présent. Équipe Ariel Henry à Papiti. À côté grand goût, la vie chère, côté good là, pas vous présenter rien encore devant l'achat américain. Insécurité qui vient 7 fois pidi. Yon bon compatriote, principalement géniaux, continue à rêver parti quitter le territoire national là, yo considéré comme véritable en fait. Est-ce que tout ça pas de révolter conscience et qui moun qui considère comme dirigeant? Voilà, yon l'autre question. Qui était pendier? Audience Takwa Béas Corpus a référé à reprendre demain jeudi à notre tribunal première instance Port-au-Prince qui fait que je n'y ai côté pour coin c'est collé dans le tribunal de paix section sud là. C'est ça, Douane Bernard-Séville qui déjà installé, il a annoncé. Il y a l'autre côté, Douane a annoncé, il prend le voyer en correspondance par CSPJ pour informer les sous mauvais comportements. Certains juges dans le tribunal de paix section sud là par rapport à qui ont côté Bernard-Séville. Bon, donc, on fait mise en contexte là, nous là, dans le cadre d'exécution, décision que CSPJ prend jeudi dernier dans le cadre de réunion, statutaire il était gagné, suite à réunion qui a été gagné à partenaire de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, qui demandait pour délocaliser partiellement le tribunal de première instance de Port-au-Prince. L'aime de délocalisation partielle, c'est en ce sens que correspondant à CSPJ a été surtout parlé du décanat du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Comme ce chita là, vous me faites des lieux avec lui, Vincent, lui montrer des espaces qu'elle a mis à disposition du tribunal là, et lui montrer tous les bureaux qu'elle a mis à disposition pour notre travail. Mais d'entrée de jeu, nous avons commencé à déplorer l'absence de collaboration qui gagne en jugeant dans le tribunal là avec lui titulaire là. Moi-même, pas caché tout, moi j'ai gagné pour me faire rapport à CSPJ, moi-même là, comme Bernard-Séville. On a comme doyen tribunal de première instance en exécution de une décision que CSPJ prend. Ça a étonné nous pour nous gagner. Donc, juge dans le tribunal là qui commence hostile avec juge titulaire là, qui a demandé pour un espace pour nous capables d'identifier quelques espaces qui habitent le tribunal là. Nous pas petit trop, on a collaboré avec le juge là à partir de demain matin pour moi si m'a commencé l'audience. Mais pour ça, tout moi gagne un rapport pour m'adresser par CSPJ. M'a fait état de hostilité que me commencé ouais par côté propre juge dans le tribunal de perception sud. Comme pas rien à faire non ouais qui en détail je à vous moi je viens là avec lui là pour identifier quelque espace mais dès demain matin m'a venu là pour si gagner des audiences de référé d'ABS pour nous capable attendre Bernard Saint-Ville, lycée doyen tribunal, la première instance, Port-au-Prince. L'autre information, ancien directeur général ministère intérieur Fednel Monchéry, continue longer droit Jidali, sous-directeur exécutif Rezo National Kap Defann Dwa Moun yo, Pierre Espérance, comme quoi, qui pata innocent dans kidnapping, qui a fait dans le pays. Fednel Monchéry, qui fait qu'on est, il a déjà déposé plusieurs plaintes contre le directeur exécutif réseau national là, il a demandé autorité judiciaire pour mettre action en public en mouvement contre le défenseur Dwa Moun nan. Fednel Monchéry, t'es parlé comme ça. Phénomène kidnapping a considérablement baissé, parce que il y a des interventions qui faites, il y a des informations qui baillent, et les gens qui sont auteurs intellectuels là, ils paniquent. Dans une démarche que nous entreprenons depuis presque 2 mois, nous avons un groupe nègre Côté que nous écrit et paquet de Port-au-Prince à tout nous et qui a travaillé en connivence ben, sous l'ordre M. Pierre Espérance qui dit c'est droits humains. Qui nous estime que M. n'a aucune notion, aucune formation, aucune capacité pour exercer fonction ça. Rôle parle, c'est détruire. Nous avons plusieurs exemples. Nous, par exemple, barbecue qu'il voulait récupérer pour faire assassinat, nous ne sommes pas d'accord, et puis il mettait dossier sous lui. Nous dit qu'il a un dossier Chelson Sanon, il a un dossier Timoun qui te prend poison en produit avec la famille Boulos, tout le monde connaît comment la situation s'est arrivée. Et dans le bureau qui fait conférence, Madame Koch qui est impliquée dans la mort de Jovenel Moïse, fait conférence, etc. Donc, monsieur était en deux mèches à un ensemble de nègres qui ballent information et qui relève par la suite sous tout sac passé en d'un pays pendant le phénomène Jovenel Moïse. Donc, face à tout constat, nous ne pouvons pas accepter un citoyen qui n'a ni titre, ni qualité, ni formation, ni expérience, ni compétence pour la initier de telles démarches dans nos mondes. Espérance, on dit tout le monde perd, monsieur. Parce qu'il y a un blanc derrière. Non, nous-mêmes, nous ne pouvons pas perdre, monsieur. C'est clair. Nous ne pouvons pas perdre, monsieur. Quelle que soit la quantité de blanc derrière là, nous ne pouvons pas camper en face. Toutefois, que nous gagnons raison. Nous écrit Cadet James pour nous dire que nous avons un agent Bessap qui démèche avec un ensemble de malfroids dans un pays qui c'est David Dombé, qui était en dématin sur la station dans la capitale là. Et puis ils ont voice qui dit le contraire de ça. Nous écrit ministre pour prendre disposition dans ce sens-là et mettre monsieur disponible à la justice. Depuis le 24 mars, nous écrit ministre et commissaire gouvernement pour nous informer de situation ça. Dernier élément. Dans le cadre de démarche, nous rencontrons que nous faisons information que nous gagnons, nous voulons protéger la vie de paisibles citoyens. Et ça va empêcher que nous ne pas souffrir, pas traumatiser. Et monsieur Malfoy de hier pour arriver à 18 mai, il y a un plan pour faire qui ça. Il y a un plan pour kidnapper ensemble de nous. Donc nous rendons l'ISA possible. Et le premier monde nous joignons dans l'ISA, c'est l'ancien député Printemps Bélisaire, Jojo Loké, Fednel Monchéry, Rosemont Jean. Rosemary Petit-Fois-Saint-Ville, Majorie Michel, Louco Désir, Lionel Lajoie, qui est plus que 90 ans, mes amis, avec Mavel Dandé. Donc moi-même, nous faisons travail pas en tant que citoyen, en tant que responsable. Et Mabdou, ça le cap de l'Europe dans le pays, ce n'est pas petit monsieur qui est dans une zone reculée, qui est auteur. Il servir comme instrument, il servir comme moyen, comme outil pour accomplir ça le besoin, n'est la costume, n'est la colle, n'est la cravate, n'est qui sentit bon, et puis eux-mêmes, coup accident fait. Coup fait arriver, c'est le premier monde qui a monté dans la radio, qui a plaigné, ça vous fait expérience. Donc, depuis où elle est dans une situation difficile, où elle commence à plaindre, il met peut-être dans une situation comme s'il a fait menace sur lui, moi t'attends ça pas arriver. Ouais, tout ça fait là, ils font sortir crabe, ils n'ont pas un résultat. Ou qui peut gagner, fait tirer sur machine, fait tirer sur local, passer matière fécale, pour dire gain persécution politique, parce que prend image, porté par blanc. Donc nous dénonçons ça. Dernière stratégie, c'est faire ça. Dirigeant l'Alliance démocratique contre transition en Haïti, dans une conférence pour la presse lundi 4 avril 2022, dans le Cap Roi, n'importe où, dénoncer dirigeant dans l'État qui va prendre disposition pour mettre des sécurités dans un pays. Porte-parole l'Alliance démocratique contre transition en Haïti, en Mackenson, quand j'ai gagné, fait qu'on a gagné trois secteurs clés, les dit qui mettent en sécurité et puis fait kidnapping en Haïti. Conférence c'est là, chita sur un gros axe qui c'est kidnapping avec insécurité et qui peut faire peuple à comprendre dans qui zobo puis prend aujourd'hui. Insécurité et kidnapping, c'est des plus gros fléaux qui a rongé peuple haïtien. Bagay ça fait population a monter on laisser le pardon. Yo pas connait qui c'est pour yo relé. Tellement yo victime des actes insécurité et kidnapping. Pour l'histoire et pour la vérité peuple haïtien. Adekra a dit nous clairement, kidnapping et insécurité ça sorti dans trois secteurs clés. C'est eux qui alimentent les armes et munitions par toute gang dans le pays. Jeunes garçons, jeunes femmes qui t'a droit de plumes, cahiers et livres dans les mains, politiciens, oligarques et quelques personnes dans les mains, faire les gens ou bien transformer les gens en criminels pour simer la troublage et insécurité dans le pays. Moun sa yo qui sont oligarques corrompus avec politiciens et quelques moun dans les yo, c'est le plus gros criminel et kidnappé que le pays est capable de connaître. Je peuple à Calais, je peuple à Cléré, pour intérêt politique et intérêt économique, yo prêt pour faire tout bagay. Équipe Mounsa yo touye Papa Nation, qui c'est des Salines, yo touye Vilbegriom Sam, yo touye Dimas Estimé, yo touye président Jovenel Moïse. Je dis me saisi, ouais, même groupe Mounsa yo, qui sont passé 4 ans à quelques mois, qui a simé la terre dans le pays, qui t'a manœuvré les vieilles insécurités à kidnapping ça. La guerre sous le président Jovenel Moïse. Pour détruire caractère et même river assassiné. Journée aujourd'hui, c'est même eux-mêmes qui ont lancé manifestation, qui ont pris les embrayes contre kidnapping et insécurité. Nous-mêmes, on a des cas nourris parce que nous connaissons, c'est eux-mêmes qui nous gaou, qui ont mangé petit tout et qui ont crié. J'ai peuple à Calais, tout le monde est clair, insécurité et kidnapping, c'est dans la catégorie qui sorti. Nous-mêmes dans des cas qui c'est Alliance démocratique contre la transition en Haïti, nous pas jamais oublier assassin, criminel ça yo, qui touye président Jovenel Moïse. Et j'ai dit qu'à 7 avril 2022, ça fait 9 mois depuis nèg yo te fait complot pour crabiner président Jovenel Moïse, depuis nèg yo retirer l'espoir peuple haïtien. Et parce que président Jovenel Moïse te voulait mettre les oubliés de la République, te voulez mettre les gros souliers, les gros orteils, les lattes patriotiques sous le monde. Non, c'est ça. Adekra a demandé tout peuple haïtien, tout vrai journaliste, levé campé, jour 7 avril 2022, pour nous dire tout papa kidnappé avec insécurité. Yo pas qu'à l'idée peuple souverain ça. Yo pas qu'à prendre la parole dans nos peuples haïtiens. Et manifestation ça a fait tout contre tout le monde qui te condressé ou bien fabriqué faux rapport la guerre sous le président Jovenel Moïse. Manifestation ça a fait contre tout nèg qui te dit depuis président Jovenel Moïse qui te pouvoir insécurité à kidnapping à Kaba sous le champ. Et finalement, manifestation ça a fait tout contre 11 familles qui marché si maïsam avec munitions by tout petit paysan, by jeunes garçons, jeunes femmes en d'un paysan. Système ça arrivé dans bout li peuple haïtien. On solidarise pour nous désolidariser criminels ça yo et pour nous mener yo dans la justice. Mais vive Haïti, abat tout papa kidnappé avec insécurité en d'un pays. Fonds assistance économique et sociale FAS distribué lundi 4 avril 2022 à kit alimentaire par les populations qui sont dans diverses zones dans la région métropolitaine, dans Tancourt, Delma, Canapé Vert, pour une cité ça au seulement. Coordonnateur vice-délégation départementale Ouestland, Adonis Renel, remercie FAS pour don kit ça yo, pour demander avec FAS pour continuer des matchs ça, d'une façon qui permettre l'État toucher les gens qui sont plus vulnérables dans la région métropolitaine. C'est bon comprendre la population Canapé Vert. Et malgré que plus fort dans le monde, pas joindre, parce que vous connaissez, 500 kits, en population comme ça, aussi nombreux, tout le monde n'a pas joindre. Mais nous avons fait maximum dans la délégation. Depuis hier, nous avons pris un bâton pèlerinage, nous avons préparé 4, nous avons fait un déroulement de fête, nous avons passé 4 mois pour nous faire avec tout honneur, respect, sa vérité. Et il y a des gens qui veulent joindre plus qu'on est. Et au lieu de faire un monde joindre plus, et bien on ne peut pas joindre, nous avons fait avec 4 et chaque monde a gagné en 4 et on quitte alimentaire. Et nous remercions beaucoup pour nous. Nous remercions les amis de la presse qui sont venus couvrir l'événement. Nous remercions FAES qui dans la dynamique pour faire mon mieux arriver jeune si la pluie pas capable. Quand va arriver dans le Canapé Vert, notamment depuis repasser encore parce que la majorité mon mieux pour jeunes, mais ça que jeune yo, yo fait l'esprit bon comprendre et partager yo et yo vini là, yo vini prendre sans compte, sans incident et j'en étais là et puis entrer la caillou. Bien pas jeune, nous connaissons comment bagarre et j'en étais là c'est 500 pour une population qui n'est pas avoisinée combien de vingtaines de milliers qui l'a. Et donc, et nous demandons pour responsables FAS capables de continuer à faire travail là parce que la population, cette fois-ci, a joint ça au Bayo. Contrairement, Jean Moun est capable de penser que si on va, Jean qu'on appelle dans la radio, si on va venir, il y a d'autres monde qui apprennent. Je dis à nos canapés nous montrer la fête autrement. Nous avons demandé la presse pour toujours mobiliser à couvrir l'événement ça pour si la qui n'est pas capable de joindre, qui choisit pour entrer dans la caille. Pour ce côté-là, mesdames, messieurs, coordonnateur vice-délégation départementale Ouestland, Adonis Renel, dirigeant l'Alliance démocratique contre transition en Haïti. Je dis à c'est un moment important pour nous, côté que environ 500 diplômés à recevoir l'aide nomination pour aller côté expertise dans l'école publique. Une grosse salutation et un remerciement pour tout le monde qui a bataille pour bien-être et chaque grand monde qui a vécu. Nous remercions membres commission qui s'est connaissait, spécialement Jean-Timanis et ministre de l'Éducation, M. Nesmy Manigat, pour courage et détermination qu'ils ont gagné pour porter bon changement dans le système éducatif haïtien. Je dis à l'important, c'est vrai, pour nous recevoir les nominations, mais nous-mêmes, en tant que géologues, nous avons présenté l'importance géologue ont gagné et l'importance que seule l'école géologique qui est dans le pays a, qui est l'importance que nous gagnons. Nous avons fait un bref historique sur l'École nationale de géologie appliquée. C'était un décret que le gouvernement du Valier a pris dans l'année 1978 qui débaille l'école moyenne des techniciens géologues qui était en durée étude de 2 ans et par la suite qui a pris le nom NGA, École nationale de géologie appliquée, pour une durée étude 4 ans dans le niveau licence. École nationale de géologie appliquée, il était retrouvé sur route nationale numéro 1, zone Vareux, côté que l'école ça était en coopération avec l'Université Bordeaux 1 en France, côté que après coup d'État, Jean-Bertrand Aristide, côté instabilité politique, qui rend que coopération a été écrasée. Et puis après 12 janvier 2010, côté que tremblement de terre ça, il était mis à nu, seul grand patrimoine que nous avons dans le pays, qui c'est l'École nationale de géologie appliquée, côté que bâtiment écrasé, infrastructure campée. Côté que je te voyais nous en tant qu'industriel Sonapi, côté que je te mettais pour 6 mois. Mais 6 mois, tu prends un nombre de temps. 6 mois, tu prends un paquet de temps. Mais nous-mêmes, en tant qu'étudiants conscients, le fait que nous avons entamé une bataille, côté qui a plusieurs phases. Nous avons fait bataille administrative, nous avons fait bataille grève de faim, ou bien grève grand goût. C'est une raison qui fait me parler créole, me pas parler français, pour tout le monde capable de comprendre et connaître l'importance seule de l'école géologie ça gagne dans le pays. Ou pas qu'à parler de développement durable en Haïti sans la géologie. Pour géologie seulement, il prend 2 piliers dans 3 piliers développement durable. C'est économie, environnement. Côté que nous avons entamé grève grand goût, qui ça nous a demandé? Nous avons demandé bon gens local avec laboratoire approprié. Nous avons demandé pour nommer professeurs, nous avons demandé budget. Mais jusqu'à présent, rien n'est pas fait. Je vous dis, nous avons salué le courage du ministre Nesmy Manigat, côté que depuis qu'il est rentré dans le ministère pour la première fois, c'est lui-même qui a fait un gars charité, un minimum, un pisse écrable, côté que l'été pour la première fois, après que l'école a été écrasée, un bus avec quelques matériels. Maintenant, tout géologue, nan non responsable administratif École nationale de géologie appliquée, nan non tout géologue, nous remercions. C'est vrai, je dis à, il y a 500 jeunes diplômés et qualifiés qui recevront la nomination li, et nous connaissons une volonté pour que vous nommé 1000 jeunes qualifiés qui sont ENGA, ENAT, CFF, faculté de droit, école normale. Nous demandons, nous avons 500 qui joignent l'école. Nous demandons que le processus là toujours continuer pour que nous capables de joindre plus professionnels qualifiés dans le nouveau secondaire là. Nous prêts, nous parés pour mettre en bataille là. Parce que l'éducation relève une nation. Je dis à c'est un plaisir. C'est un moment côté que nous t'attendons pour que nous joignions possibilité pour nous faire expertise nous. Nous capables de dire, un gars, École nationale de géologie appliquée, n'a octroyé ça à bon côté ministre de l'Éducation nationale là. Géologues ont une discipline qui c'est la géologie qui sont discipline transversale. En tant que géologue, nous travaillons tout côté par rapport avec compétences que nous gagnons compte tenu de la vulnérabilité d'Haïti face aux risques naturels et environnement. Nous demandons bon côté ministre et à travers toute l'autre institution fait même genre avec le ministère de l'Éducation nationale pour les géologues de place dans la société. L'école pas attendre. Oui, Enga pas attendre. Géologue pas attendre. Vive l'éducation, vive la géologie, vive un autre environnement, vive l'éducation. ministre de la Culture et de la Communication, Imli Prophète Milsien, en occasion de faire lecture de l'article dans le décret 5 avril 1982 qui organise le système éducatif haïtien dans l'idée pour offrir une éducation équitable à tout le monde et puis refléter la culture haïtienne dans ce nouveau enseignant à enseignatio pour mettre le décret 1982 en application. En 1982, le gouvernement de la République introduisait une réforme qui allait impacter le système éducatif sur la durée. Dans le moniteur du 5 avril 1982, était publié le décret organisant le système éducatif haïtien en vue d'offrir des chances égales à tous et de refléter la culture haïtienne. Cette réforme majeure qui a marqué le parti pris de l'État pour une éducation adaptée à nos besoins et en harmonie avec les hommes et les femmes que nous sommes, est connue sous le nom de Réforme Bernard, du nom du secrétaire d'État de l'Éducation nationale de l'époque, M. Joseph Charles Bernard. Occasion était trop belle, alors que le ministère Culture et Communication et le ministère Éducation nationale et formation professionnelle décrété année 2021, année de la belle amour humaine, dans l'occasion 100 ans, écrivain, homme politique, docteur, humaniste, Jacques Stephen Alexis, pour nous pas officiellement célébrer date importante ça. D'ailleurs, le ministère Culture, dans le calendrier commémoration et célébration qui publié dans le cadre de l'année 2022, souligné date là qui tombait dans le mois avril, même Jean avec centenaire Jacques Stephen Alexis qui a tombé 22 avril à Nessa dans 2 à 3 semaines. Donc, année de la belle amour humaine, calendrier des commémorations et des célébrations pour noter les dates importantes, les jalons, une manière d'éviter tout un chacun à s'approprier de ces dates pour transcender ce qui quelquefois semble paraître plus important pour nous que la célébration de ces dates en question. Ça va nous rassembler autour de ces dates, de ces moments importants pour Haïti, pour la culture haïtienne, pour nous-mêmes. On a souligné que l'année prochaine marquera les 60 ans du lycée de Pétionville. Le ministère de la Culture n'oubliera certainement pas de porter cette date dans son calendrier 2023-2024 de l'année des commémorations et des célébrations. Le ministère de l'Éducation nationale a installé des dizaines de professeurs. C'est une bonne nouvelle pour le système éducatif. C'est une bonne nouvelle pour nous que des jeunes intègrent ce système qui a tellement besoin d'eux. Et quand on voit des géologues entrer dans le système éducatif, on se dit que la lutte n'est pas perdue puisque nous avons tellement de choses à faire pour sensibiliser aux menaces naturelles multiples pour la gestion des risques et désastres. Donc 1982 est une année charnière dans l'éducation formelle haïtienne. 40 ans plus tard, le décret garde la même actualité. Nous indique les choix à faire pour une éducation qui nous permet d'agir sur notre environnement social et physique, opérer des retours sur ce qui semble nous échapper aujourd'hui alors que nous faisons face à toutes sortes de difficultés. Il est bien d'avoir des doutes, de se demander au milieu du tumulte, à la manière de Jacques Stephen Alexis, si c'est vraiment possible d'atteindre l'horizon, mais nous savons qu'il faut parier sur les citoyens, les citoyennes de demain, sur l'école, investir dans les enfants, les jeunes et leur laisser découvrir les infinies possibilités de la vie et à quel point notre pays a besoin de chacun d'entre eux. Il est sans doute nécessaire, ce 4 avril, de lire les 2 articles du premier chapitre du décret organisant le système éducatif haïtien en vue d'offrir des chances égales à tous et refléter la culture haïtienne. Donc 1982, la réforme Bernard, c'est une réforme qui avait fait couler beaucoup d'encre dans la mesure où tout le monde a semblé être surpris par l'introduction notamment du créole dans l'enseignement et 40 ans plus tard, nous réalisons tous les jours et plusieurs fois par jour combien c'était utile, important, essentiel. Alors dans le chapitre 1er, article 1er, il est écrit « L'école haïtienne est nationale, elle se doit d'offrir, d'affirmer l'identité de l'homme haïtien. Elle réconcilie l'haïtien avec sa culture et son environnement et constitue un facteur de cohésion et d'intégration. Elle forme et développe le sens de la responsabilité et de l'esprit communautaire chez les jeunes. Elle met en place un système d'enseignement unique s'appliquant dans le respect des spécificités propres à chaque région, aux zones urbaines et rurales et indistinctement aux enseignants publics et privés. Elle assure à tous l'accès au savoir et à la science en adoptant notamment une structure et un mode de fonctionnement donnant des chances égales à tous. Elle est fondamentalement démocratique. L'article 2, l'école haïtienne est un instrument du développement économique et social. Elle constitue un investissement planifié et rentable pour la nation. Elle élabore des contenus et des programmes à partir des données de la réalité haïtienne, tout en demeurant ouverte sur le monde extérieur. Elle favorise la formation de citoyens capables de modifier les conditions physiques, matérielles, morales et spirituelles du milieu pour créer plus de richesses, de biens et de services et contribuer ainsi à l'amélioration de la qualité de la vie. Et c'est dans cela même que nous sommes aujourd'hui, en souhaitant bienvenue à ces enseignantes et enseignants. Je leur souhaite également de prendre ce décret de 1982 comme mantra, de l'appliquer et de faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'Haïtiens, mais bien intégrés dans ce que c'est la haïtienneté et dans l'amour de leur pays. Parce que nous devons aimer ce pays, nous devons faire en sorte que ce pays change au bénéfice de chaque Haïtienne, de chaque Haïtien, parce qu'il n'y a pas d'Eldorado dans le monde, il n'y a plus d'Eldorado. Nous devons construire notre Eldorado, notre pays, faire en sorte que ce pays soit le pays de tout le monde, que tout le monde puisse avoir la chance d'y vivre, d'y travailler et de transmettre parce que tout un chacun, nous avons quelque chose à transmettre à l'autre, quelque chose à transmettre aux générations futures. Monsieur le ministre Nesmy Manigat, félicitations pour votre courage, votre détermination. Nous sentons que vous êtes là et tous les jours en regardant les réseaux sociaux, en écoutant la radio, en écoutant parler les enseignants, les enseignantes, au nom de toutes et de tous. Et je vous remercie, je vous souhaite bon courage et bon travail. Ministre Culture, Communication, Emily Prophète Milsi. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle, Nesmy Manigat, fait historicité réforme Joseph Charles Bernard, et dit Pigo, innovation sociale et culturelle. Réforme, ça s'y mettait l'encre là en valeur dans le système éducatif là. Ministre Éducation nationale là expliqué tout. Réforme Bernard était créé quelques instruments parmi eux, consul, alors conseil, curriculum et institut pédagogique national. Profite annoncer tout, ministère libéral, mettez sous pied dans le mois d'avril là, une commission nationale scientifique avec curriculum pour continuer avec ces réflexions. Ministère déjà tant mais pour connaître dans qui moment pour faire transition apprentissage l'autre langue dans le système éducatif là. C'est un gros privilège pour n'importe qui haïtien qui a possibilité de servir pays dans le domaine éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur. Ça qui est très important pour nous retenir de l'activité aujourd'hui, c'est que réforme Joseph Charles Bernard là, 40 ans après, continuer à faire débat, continuer à susciter intérêt et même controverse. Et m'apprend quelques mots pour que moi dis moi-même en fonction d'expérience PAM à la fois d'anciens ministres et ministres actuels, ça me comprend nos réformes et pour que ça l'important. Dans la date qui était 30 mars 1982, dans le palais national, le gouvernement pays à l'époque signait un décret qui organise le système éducatif dans l'objectif pour que tout haïtien ait même chance pour apprendre. Et apprendre dans un environnement qui reflétait culture. Et quelques jours après, dans la date 5 avril 1982, le gouvernement publié décret ça dans le journal officiel, dans le moniteur qui fait qui bat force de loi. Qui ça a changé dans la vie au ministre, au responsable ministère de l'Éducation nationale, enseignants, parents, élèves. Il y a un plus gros innovation, innovation sociale, innovation culturelle, réforme Bernard. C'est l'elle décidé que dans deux langues qui sont officielles, même si c'est pas langue officielle, parce que nous ne pas utiliser dans le document officiel, c'est plutôt français, nous pouvons utiliser dans le document officiel. Pour officiel parler, pour officiel prendre décision, pour officiel prendre des jugements, pour officiel même, et tout papier l'argent n'a pas utilisé, c'est en français que oui. Même chèque n'a pas signé, pratiquement c'est en français que oui. Bien, ministre Bernard, en 1982, Il dit pendant nous avons deux langues officielles, mais langue nationale, tout le monde parle créole, il supposé à la fois pour nous apprendre l'école, mais il supposé servir pour que nous apprenions toute notre matière. Parce que je te l'ai dit, contrairement à ça, le monde croit, ce n'est pas nos ghettos que la foule pays a, les petits monde commencent à apprendre en créole. Parce que tout pays dans le monde, pour maîtriser en plastique, pour maîtriser physique, mathématiques, chimie, biologie, géologie, écologie, n'importe quelle discipline, pour comprendre, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut comprendre nos langues qui permettent de comprendre. Et bien pour commencer à comprendre, soit à lire, soit à écrire, soit à apprendre, on va apprendre nos langues qui n'ont environnement. Langue grand-mère parler, grand-père parler, maman parler, papa parler. Et c'est là ça seulement sous comprendre qu'on apprendre français. En pile monde pas apprendre français, pas comprendre français, c'est parce qu'on pas comprendre c'est apprendre français. Yo pas traduire même. L'on comprendre créole là, ou plus vite pour maîtriser quelle que soit langue qui gagne. Parce que français, même si son langue officielle, je dis son langue internationale parce que l'on langue environnement pas parler, c'est dans l'école là seulement environnement que le parler, et bien son langue internationale. Qui a pile caractéristique en langue scientifique, parce que l'y développe en pile l'autre savoir scientifique, créole là tout, créole là vini dans le domaine ça tout, créole là fait en pile avancé dans le domaine ça, notamment avec l'Académie créole et tout l'autre monde qui a bataille pour correr langue là tout. Tout pays dans la planète là commence à apprendre la langue maman. Dominicain commence à apprendre la langue espagnole. Jamaïcain commence à apprendre la langue anglaise. Tout le monde commence dans la langue payo. Et puis, si la langue payo, et c'est ça Réforme Bernard là, si la langue maternelle là, pas une langue parmi les plus grosses langues scientifiques internationales qui plus utilisées dans la publication, tant qu'anglais, tant qu'espagnol, ou tant l'autre langue internationale, en pile dans le pays, ça, nous font transition. Nous avons choisi pour que pendant qu'on continue avec langue maman, nous font transition dans langue scientifique internationale. C'est le cas dans pile pays arabe, côté leur arrivée après baccalauréat dans l'université, nous avons continué en arabe, et bien nous choisissons une langue scientifique internationale, tout qui est capable d'évoluer en pile dans aussi. Français, mais je dis de plus en plus, c'est anglais. C'est ça ça veut dire. C'est pas un fermé haïtien qui est capable d'apprendre à parler créole seulement, qui est capable de parler ni français, ni anglais, ni espagnol, mais puis aller plus vite dans la langue, ça va faire comprendre sa habitude. C'est le premier gros élément de Réforme Bernard qui coûtait le poste. Monsieur perdu job à cause de ça. Tout parce que, en plus, on ne peut pas comprendre. On dit, petit tout parler français, petit tout parler anglais, petit tout parler espagnol. Moi-même, je voulais petit pas parler seulement créole. Même si petit Paul n'a pas maîtrisé créole bien, il va parler français. Il va comprendre géologie, il va comprendre la science. C'est ça que ça veut dire. L'autre question que pendant la Réforme Bernard, qui était tout créé en plus l'instrument tout, tant qu'on conseil curriculum, tant qu'on institut pédagogique national pour accompagner la réforme, c'est à partir de quel moment, à partir de quel âge, nous allons faire transition ça dans l'autre langue scientifique internationale, ça en plus de français, en plus de créole là. Ça, ministère là, qui toujours continue à réfléchir sous question ça, sous question curriculum, annoncé déjà que dans le mois d'avril là, la pété sous pied, une commission nationale scientifique et curriculum pour continuer réflexion ministère déjà tant mais pas jamais suspendre camper réfléchir sur qui la transition ça fait qui plus bon moment pour le faire et moi même personnellement je dis après expérience que j'ai fait dans tant de ministères expérience que je fais dans pile l'autre pays je pense que le pays a posé cette question qui première langue internationale système l'école l'a choisi pour qui ça parce que je dis 3 4 jeunes dans le pays nos pays 70% de la population qui 35 ans 3 4 jeunes puis on apprend puis on travaille puis on a l'argent dans poche moi constater que on choisi anglais moi constater que choisi espagnol puis on apprend puis on développer système éducatif là pas capable de poser cette question ça qui deuxième langue internationale plus fort pour les choisir dans le système éducatif là ça veut dire qui volume horaire nous pas l'augmenter pour à la fois ni anglais ni espagnol par rapport à français. C'est pas moi qui réponds à question, mais qui question dans la commission qui a réfléchi aujourd'hui. Il y a un deuxième élément important dans la Réforme Bernard. 40 ans après, jusqu'à présent, nous avons des difficultés pour nous faire. Nous avons un lycée là. Dans la Réforme Bernard, un lycée, c'est 4 années le gain. Pas à supposer que ça nous est le troisième cycle fondamental là. Parce que depuis sous Réforme Bernard, bon bagage qu'elle te dit, il constate que dans le monde entier, 6 années, 3 petits, comme sorte de connaissances, de compétences et d'expérience pour un petit monde gagné pour que les quitte l'école Parce que dans tout pays avant, après 6 années, l'État dit qu'il doit quitter l'école grâce à l'expérience pour travail. Et le bon premier papier, l'État crée le certificat d'études primaires après 6 ans. Le ministre Bernard dit non, le monde changeait. Révolution industrielle faite. En pile pays besoin d'apprendre en pile l'autre bagaille. Ou pas qu'à quitter l'école après préscolaire, ou pas qu'à quitter l'école seulement après 6 ans. 6 ans, 3 petits pour le premier papier l'État. Vous obligé de faire 9 années l'école. Et même dans la constitution amandaire, retirer mon école primaire, l'école fondamentale 9 années, ça veut dire sauf base, curriculum unique pour gagner compétences, connaissances, savoir, c'est 9 années pour quitter l'école. Et l'État n'a pas de bon papier officiel encore avant 9 ans. C'est pour ça, même lorsqu'il doit faire examen certificat, il n'a pas de bon papier, qui veut dire si le bon papier, on doit quitter l'école ou fini, non. Là, bon, on papier l'État à partir de 9e année fondamentale. Donc, le ministre Bernard n'a pas éliminé l'examen 6e année. Toute l'école doit continuer à faire examen 6e année. Il doit avoir un diplôme qui est ouvert. Magistrat Pétionville, là. Puisque l'État reconnaît que la collectivité territoriale a le droit de participer dans l'école. Tout le monde doit avoir un papier l'État municipal pour 6e année, s'il voulait. S'il mettait d'accord avec la communauté quand il a fait l'école. Mais l'État central l'a dit, il reconnaît que 9 ans pour faire l'école. L'association des Sages-Femmes d'Haïti réalisée lundi 4 avril là, et on joue n'importe l'ouvrir là pour capable présenter travail association avec Alternative, responsable communication ASF Lan, Jeff Tani, Mathieu, fait qu'on est sage-femme dans ses 3e profession médicale dans le pays malheureusement. Population pas gain connaissance de l'île, toujours selon Miss Jeff Tani, Mathurin pendant le dit. Objectif aussi assurer toute santé, gain, sage-femme et puis population informée sous profession ça. L'Organisation mondiale de la santé définit sage-femme comme étant un professionnel médical qui fait une quantité d'années à suivre une formation et qu'après les jeunes diplômes pour capable d'aller service dans la maternité ou bien d'aller femme service. Une sage-femme, c'est sage-femme considérée comme 3e profession médicale dans le monde entier. Donc, une sage-femme, avant tout, c'est un leader, une sage-femme, c'est un communicateur, une sage-femme, c'est un coach, c'est un monde qui est là non seulement pour bailler femme en général, service, mais en même temps tout est là pour supporter, pour coacher. Donc, sage-femme en Haïti, c'est une profession qui n'est pas vraiment connue. Il y a un peu de monde qui est tendance confondue avec matrone, femme chai ou bien des fois tout infirmier. Et l'État haïtien a décidé de mettre l'école sage-femme sous pied parce que ouais, quand c'était femme qui mourir en Haïti, Haïti est considéré comme pays dans les Caraïbes qui a plus de femmes qui mourir pendant la vie. Donc, au départ, je te prends un groupe infirmière qui était licencié, ils ont formé environ 2 ans à 18 mois sous obstétrique et hôtellerie infirmière sage-femme. Donc, tu as en pile, tu as environ 100 de sage-femme infirmière sage-femme qui étaient formée. En 2013, ils ont formé seulement sage-femme. Donc, ils ont un bachelier ou bachelier qui finit dans philo l'année calée, ils inscrit dans l'école sage-femme et puis tout, ils fait 3 ans de formation. Mais qu'on a sage-femme non divine universitarisée, ça veut dire qu'ils viennent entrer dans l'UH, qui c'est Université d'État d'Haïti, il y a une faculté de sage-femme d'Haïti qu'on a les 4 ans plus 1 associé. En 2004, il y a un groupe sage-femme qui a décidé de former association ça, qui c'est Association des infirmières sages-femmes d'Haïti. OK? Association ça, c'est une association à but non lucratif qui décide qu'il y a pour vision pour assurer que toute centre de santé, toute institution gagne sage-femme qui baille soin et comme vision, comme mission, c'est assurer que tout membre association capable d'épanouir, capable de développer professionnellement. Association liée à des orientations stratégiques. Pas bien que nous professions liées à ces méconnus en Haïti. Donc, nous avons une orientation stratégique pour nous assurer nous que les professions sont plus valorisées et reconnues en Haïti. Donc, première orientation stratégique, c'est assurer nous que nous avons une meilleure reconnaissance et valorisation en Haïti. C'est aussi la formation continue. Parce que nous connaissons que c'est vraiment statique, toujours à bouger. Là, on sachant qu'on étudier après 2, 3 ans, 4 ans. Il faut que nous ayons toujours un update pour capable connaître qui quantité de service, qui qualité de service pour le bail famille. Donc, l'association est assurée tout, peut former même mieux. Et d'autant plus que nous faisons aussi des séances de cliniques mobiles, de dépistage pour femmes. L'association Sages-Femmes d'Haïti, il y a plusieurs partenaires qui aident nous, qui mettent les ensemble avec nous pour aider nous à avancer avec l'objectif. Nous avons MSPP qui est le ministère de la Santé publique et population. Nous avons Femmes qui est Fondation pour avancement Sages-Femmes haïtiennes. Nous avons Confédération internationale des Sages-Femmes. Nous avons UNFPA qui est Fonds des Nations Unies pour la population. Nous nous avons un choc qui est société d'obstétrique et de gynécologie haïtienne, nous avons un FOSREF avec un pilote et partenaires étrangers. Donc, l'association Sages-Femmes d'Haïti nous fait un pile de réalisation. Donc, ça nous fait pas les gens qui sont plateforme téléphonique à nos sages-femmes que nous avons opératrice, nos sages-femmes actidates qui va parler de lui tout à l'heure. Nous avons tout des activités que nous réalisons. Chaque sortie là, nous allons dans l'école, nous sensibiliser les jeunes, les adolescents pour qu'ils aient un comportement sexuel responsable. Nous faisons sensibilisation tout pour cancer colmatrice. Nous faisons des sensibilisations pour dépistage cancer d'entité et tout. Nous faisons des séries de formations, côté que nous avons programme qui est une formation en urgence obstétricale, côté que nous faisons formation non seulement pour sages-femmes qui nous ont reculé, mais nous faisons formation tout pour l'autre personnel qui a fait accouchement pour quoi. Je ne dis pas bien que nous disons nos visions, nous assurons que toute centre de santé est une sage-femme, mais pour l'instant, il y a un pile institution de santé dans la zone reculée qui peut avoir une sage-femme pour faire le service. Et ça ne va pas empêcher que nous allons accoucher dans la zone Sao. Donc là, nous allons accoucher dans l'institution Sao, nous voulons assurer que nous-mêmes qui sont auxiliaires que nous allons joindre pour auxiliaires capables de poser en action si tu as une urgence pour capable sauver la vie de ça. Donc nous faisons formation pour nous pour capable gérer les gens d'urgence. Et comme défi, qui savent que nous avons comme défi, nous-mêmes, association Sages-Femmes en Haïti, le gros défi, nous, c'est mes connaissances professionnelles. Une profession côté que c'est troisième profession médicale dans le monde et parfois même personnel de santé pas vraiment qu'on dit ça en sage-femme. Sans parler de la population qui pas qu'on dit ça en sage-femme qui est de se confondre nous avec femme char ou matrone. Ça fait année ça nous décider de consacrer comme année de plaidoyer pour nous capables aller côté instance concernée pour nous capables faire réglementation profession et assurer que nous capables mettre nous dans le niveau que nous méritons dans le système de santé en Haïti. Et autre chose, une défi que nous confrontons dans l'association, c'est sage-femme qui finit former et pays a pas offrir vraiment rien qui a parti à bail service dans l'autre pays. Et nous gagnons tout, sages-femmes parfois qui dans un reculé, qui pas assez de structure pour capable de travail. Donc en gros, c'est ça que nous gagnons comme défi dans l'association des sages-femmes d'Haïti. Responsable de la communication, association des sages-femmes d'Haïti, Madame, Monsieur Jeftani Maturin. Allo Sages-Femmes, c'est une plateforme téléphonique association des sages-femmes d'Haïti. Mettez sous pied pour capable accompagner femmes enceintes depuis le commencement de grossesse là, bien pour renforcer les liens entre femmes enceintes et institutions santé selon opératrice plateforme téléphonique Allo Sages-Femmes Marie-Hélène Alcidas. La plateforme créée, c'est par rapport à taux de mortalité maternelle que selon MU6 qui est très élevé en Haïti et qui Haïti c'est pays qui gagne taux de mortalité maternelle qui est plus élevé dans les Caraïbes là avec l'Amérique latine là. Côté que nous gagnons 529 pour 100 000 naissances vivantes selon MU6 et selon même enquête Sato, a réalisé que 58% accouchements ont fait en milieu communautaire sans assistance au personnel qui qualifié. Donc de là, risque pour gagner pour les femmes qui mourir ou du moins si bébé mourir dans l'accouchement, les plus élevé, le par un personnel qualifié qui accompagnait dans l'accouchement. Et qui département qui visait par plateforme, c'est 4 départements. Et c'est des départements côté que, selon même enquête ça, MU6, que vous trouvez qu'il y a un taux de mortalité maternelle qui est plus élevé. Ces départements, c'est NIP, Sud-Est, Grand'Anse et puis Nord-Ouest. Qui facteur qui est incriminé dans le cas de décès maternel? D'abord, c'est qu'il y a 3 retards. Et ça crée 3 retards. Donc, c'est retard d'abord dans la prise de décision. Côté que pour nous prendre décision pour aller à l'hôpital là, parfois nous prenons décision trop tard, c'est par rapport à connaissance que vous manquez sur problème que vous gagnez. Et plateforme téléphonique à l'Osage-Femme agit en pile sur ça par éducation, par formation que nous baillons à distance. Des gens qui étaient très loin de l'hôpital, qui peut-être pendant une grossesse qui ne pas aller à l'hôpital du tout. Donc, étant donné que la majorité de monde dans la population, même autant aussi loin que lié, est capable d'avoir accès à un téléphone, Digicel ou bien la com. Donc, monde ça capable nous permettre que monde ça capable de relayer sur 8227 avec un téléphone Digicel et 2814 0171 avec le téléphone Natcom pour les capable de demander information par rapport à un problème que a senti côté que lié la carrière. Et là que lié les nous par rapport à un problème que l'il dit nous les senti à nous-mêmes de loin côté que nous y a ces sages-femmes qui n'a pris une plateforme téléphonique. Donc là, nous avons dit, mais qui ça senti, mais qui ça senti. Nous-mêmes, nous sommes suspects qui savent que nous avons gagné et puis nous encourageons pour aller à l'hôpital sans délai. Et ensuite, il y a un délai tout dans le temps pour nous arriver à l'hôpital là, la distance qui gagne par rapport à côté la vitesse avec l'hôpital là. Ça prend un temps, tout ça permet que la mortalité maternelle là, l'augmente. et il y a des tout dans prise en charge dans le monde dans recevoir l'hôpital là parfois côté rivière par un personnel qualifié qui peut prendre en charge problème que gagne et ensuite même si il y a personnel qualifié ça arrive que parfois pas gagner matériel qui est disponible pour capable gérer monde ça qui rôle plateforme rôle plateforme c'est permettre à femmes enceintes et à monde approche pour capable bien des informations fiables des informations qui sont fiables et sous grossesse, sous accouchement et même dans la période après accouchement, sous des signes qui sont capables d'annoncer qu'il y a un problème pendant la grossesse, c'est le rôle de la plateforme dans ça. Encourager les gens pour aller accoucher dans le milieu institutionnel, encourager pour suivre la grossesse, encourager quel que soit ça ressenti pour aller à l'hôpital et encourager tout pour être capable d'adopter une méthode de planning après accouchement. Donc tout ça, c'est rôle plateforme téléphonique. Là. Qui est objectif non? Objectif non, c'est pour nous capables de conseiller les femmes enceintes, pour être capable de bien suivre le processus. Chaque ça ressenti, entrer à l'hôpital pour éviter les complications. Ensuite, nous avons comme objectif tout, pour nous capables de promouvoir la profession de sage-femme à travers 8227, le monde dans relais, pour présenter comme une sage-femme, les parents de sage-femme non, les tourments de sage-femme. Et de là, à partir d'informations que vous bannissez et de sortir les vinouets qui sont sages-femmes. Parce que son profession qui n'est pas trop bien reconnaître en Haïti, mais à travers la plateforme téléphonique, il y a des gens qui viennent gagner des informations sur lui, à un point tel que les gens, par rapport à l'information qu'ils gagnent, ils ont encouragé et intéressé pour y aller pour une formation sage-femme. Et que ça nous-mêmes n'attendons comme résultat, n'attendons que Mounio gagne un changement de comportement. Mounio, au lieu qu'il aurait été accouché la caillou, au lieu que Mounio fait 9 mois enceinte, il ne va jamais aller à l'hôpital même un jour, nous attendons à ce qu'à travers l'information que Mounio gagne dans la plateforme téléphonique, là, que nous gagnons un changement de comportement, pendant que grossesse, il décide pour la suivre pendant la grossesse là, il décide de leur gain douleur pour aller à l'hôpital pour un personnel formé qui est capable de prendre en charge. Et ensuite, nous gagnons tout pour augmenter connaissance Mounio sur signe de danger. Augmenter connaissance une fois que Mounio connaît, l'homme qui a peut-être fait mal pendant le grossesse là, c'est pour un bon signe, c'est pas pour me chiter à la caméra, pour me faire 9 femmes, mais peut-être fait mal pendant la grossesse, moi j'ai dit que n'est pas bon depuis que je senti la courir aller à l'hôpital. Je dit que depuis que je l'eau pendant ma enceinte, moi je dois aller à l'hôpital. Donc monde ça, à la minute que l'on non seulement lui-même, mais il y a monde dans la communauté. Je me suis dit que depuis que je l'eau, il faut rentrer à l'hôpital. Donc tout ça, nous attendons à ce que Mounio adopté comportement ça et ensuite nous avons que tout monde yo satisfait par rapport à et service que a joindre dans la plateforme et qui compose la plateforme d'abord nous avons un centre d'appel qui actuellement là qui gagne dans 2 opératrices et plateforme là pour le moment dans le temps il était qu'on travaille 24 sur 24 7 sur 7 mais pour maintenant c'est 7 sur 7 et 8 heures ou 5 heures tous les jours. De 8h à 5h tous les jours, l'on fait à 22-27 ou abjoignons personnel, nous sages-femmes qui pour répondre, qui pour parler avec nous. Ensuite, il y a des messages vocaux qui préenregistrés. Par exemple, femme enceinte qui relaient, nous avons un contact avec eux, personnel avec eux, nous relaient, nous-mêmes tout nous relaient le bas. Si nous ne pas attendre, nous relaient le bas. Donc, il y a un message qui préenregistré, leur femme enceinte relaient, nous enregistré quelque part. Et chaque semaine, nous recevons un appel qui vous donne l'information sur grossesse par rapport à l'âge de grossesse. Chaque semaine, nous avons un appel et pour ça, nous avons une information. Une femme qui finit d'accoucher, c'est même bagarre à tout. Nous enregistrons quelque part et chaque semaine, nous avons un appel pour que nous capables de donner information sur le développement bébé. Et de là, si vous avez un bagage qui n'est pas normal par rapport à ça, que vous tendez dans un message là, la prend décision pour le relayer ou du moins pour y aller à l'hôpital. L'autre information, Rassemblement Madame Sarah d'Haïti organisé dimanche 3 avril là dans l'hôtel Caribé Convention Center et on fort pour commémorer Journée nationale Mouvement Femmes. Plusieurs Madame Sarah et défilé avec exposé produits locaux. Présidente Ramsar, Jocelyne Jean-Louis, demandé au gouvernement prend disposition pour protéger Madame Sarah qui souvent victime alors que aussi pilier économie pays. Ramsar, Rassemblement Madame Sarah d'Haïti. Pour aller éviter tout Haïtien qui tout est noir, qui tout est rouge, qui tout est moudon en bas, pour nous chita sous table là, pour nous dire Haïti c'est pour nous, nous pas de notre pays, on seul drapeau, un seul pays. Célébration, journée 3 avril là, jour 3 avril là, femme haïtienne nous connaît ça lui dit pour nous. M'attendais femme haïtienne qui présent là pour nous dire qui ça 3 avril là est pour nous. M'attendez nous mesdames. Mesdames femmes haïtiennes, nous besoin attendre nous pour femme pour 3 avril là, qui ça lui veut dire pour nous. Journée 3 avril ça, c'est lui nous te prend pour nous te mettre tête nous dehors, pour nous te dire nous qui fait pas de voix ça, qui sortit brave dans tout danger pour assurer le rôle et tant que maman, papa, qui c'est pas mitan pays. Femme rurale, c'est force pays, c'est non pays. Nous de garder même genre avec toute femme. Femme rurale, femme Madame Sarah, c'est encadrement augmenté. Faiblesse organisation femme Madame Sarah Kap travaille. Promotion, échange, à commerce pour le progressif économique en Haïti, pour programme économique yo manque bail ou bien qui pas bail intérêt et stratégie femme Madame Sarah yo importance. Manque ressources financières la caille femme Madame Sarah yo. Mesdames, messieurs, célébration journée nationale mouvement femme ANEA ça entre toutes les guerres pour nous renforcer diverses autres actions cap tourner sous autonomisation économique femme Madame Sarayo dans occasion célébration 3 avril là Ramsar Rassemblement Madame Sarah d'Haïti poursuivre et puis mobiliser toute organisation femme dans tout 10 départements pour tourner une réflexion sur l'importance qui gagne pour l'insécurité capacité pour changer conditions malouques nous subissons chaque jour pour l'endemain meilleur. Insécurité lui fait nous mal en pile, spécialement pour Grand Sud là. Nous-mêmes, femmes Madame Sarah, nous sommes les premiers monde qui victimes insécurité ça. Nous demandons tout haïtien conséquent, autorité spécialement magistrat qui présent ensemble avec nous. Spécial magistrat Madame Bellam qui